Salut à tous, c'est Raven2800 pour une nouvelle partie de Dark Souls 2 le playthrough. Donc à la suite de la dernière fois, comme je l'avais dit, là j'ai un peu de temps devant moi. Il est donc 17h17, on est le 15 mai, toujours. Ça n'a pas changé, hein, on est dans la même journée, logiquement ça ne change pas. On va aller donc au... Alors, tant que c'est ma charge. Voilà, au feu lointain, au fort Salin. Et on va se réessayer un peu la pécheresse, puisque là, je me sens chaud là, après avoir fait deux gros boss et tout... Là, je me sens bien, là. J'avais lu très rapidement, pas là, hein, mais il y a quelques jours, des petites astuces sur net pour la pécheresse. Certains, comme moi, enfin, pensaient un peu comme moi, et l'ont réussi, contrairement à moi. C'est-à-dire, comment je pourrais dire, faire tout le combat avec les deux pyromanciens qui tirent des boules de feu dessus. C'est... Enfin, ils ont pensé de la même façon que moi. C'est, ils te font chier, mais ils sont pas si chiants que ça. Donc, à la limite, tu peux essayer de te niquer la pécheresse pendant ce temps, quoi. Le problème, c'est qu'il faut enlever énormément de vie à la pécheresse, c'est-à-dire qu'il lui reste que la moitié de sa vie. C'est vrai que là, il n'y a plus d'ennemis. Donc en fait, il faudrait lui enlever la moitié de sa vie, les deux pyromanciens arrivent, et après, bah, faire le restant de sa moitié de vie avec les deux pyromanciens. C'est possible, à un moment, je sais que je lui avais enlevé un peu plus de la moitié de sa vie, je crois. Je crois, je sais vraiment plus. Hein. Je lui avais enlevé pas mal de vie, donc c'est possible, mais... Voilà, quoi. Mais elle craint l'électricité, donc normalement je devrais lui faire déjà un peu plus de dégâts, pas énormément plus, on va pas exagérer. Mais bon, ça devrait déjà un peu plus la transpercer. Bon, on verra bien ce que ça donne avec cette nouvelle clé mort électrique. C'est vrai que c'est bizarre que ça augmente pas tant que ça. Moi, on m'avait dit augmente la foi pour l'électricité et l'intelligence pour le feu. Donc je sais pas, c'est bon. Alors c'est vrai que... Alors si je me rappelle bien, le Black Phantom du côté gauche, il... Donc voilà, je vais pouvoir y aller tranquillement. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. La pécheresse. C'est, franchement, c'est pas un boss très dur, faut arrêter. Même les pyromanciens, je le dis, encore une fois, malgré toutes les défaites. Hein, ils sont de temps en temps... quand ils sont deux, ils sont gentils. C'est quand il est tout seul, le mec qui t'enchaîne de soleil maudit comme un bâtard. Voilà, attention, il arrive. 292, bah je... Oui, bon bah. Faut pas oublier que je suis en Champions Covenant, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, donc ils arrivent quand il lui reste un tiers... Ah putain, merde. Quand il lui reste un tiers à... moitié de vie. Voilà, ils arrivent à peu près dans ces eaux-là, donc... Faut aller le plus vite possible, hein, c'est tout simple. Bon, tu m'attaques pas? Bah attaque! Putain, je suis ton gros boule! Oh, vite! Ça va. Voilà. Hop. Ça, c'est dommage qu'elle m'ait touché là, c'est chiant. Ah bon. Ça remet ma vie à de base à ce qu'elle aurait dû être si jamais j'avais pas utilisé des fiches humaines avant. Merde, vite! Ah, pyromancien! Ouais, ouais, non, mais ils sont arrivés super tôt, là. Ah, ah. Oh, la vie. Sale pute. T'es méchante. Bah, eux aussi, remarque. Bonjour. Tu sais, c'est genre, tu t'es soigné? Bah, je vais m'énerver. J'ai pas le temps de boire une potion. Si j'avais 20 d'adaptabilité, ouais, mais... C'est vrai que c'est ça aussi qui peut casser les couilles, c'est que t'as pas le temps de te soigner avec. Regarde ça, j'ai rien le temps, je peux pas, j'ai pas le temps de boire. Pas le temps de. Pas le temps d'un petit Ricard, d'un petit pastis, d'un petit coca, rien le temps de. Rien le temps de faire avec. Oh, allez, au moment où je me mets à boire. Au moment où je me mets à boire. Bon, j'ai eu un début un peu catastrophique. Ah, mais. Putain de pyromancien, faut que je m'y remette un peu dans le combat là. À un moment je commençais à être chaud là, mais je fais pas tant de dégâts que ça en fait. Hein. Mais j'aime pas prendre l'espadon draconique courbe dans ce combat. Ça pompe beaucoup trop d'endurance. Moi après je suis dans la merde quoi. Ça. Et ça fait pas tant de dégâts que ça en fait, hein, cette épée électrique, cette clé mort électrique. Enfin, oui, Champions Covenant évidemment, ça devrait. Je fais du 293 presque, allez on va dire environ du 300. Sachant que j'ai 50% de trucs en moins, je pourrais lui faire plus de 400 de dégâts, quoi. Si je calcule bien, parce que 50% de 300, c'est 150. 150 plus 300, ça fait 450, quoi.
vraiment un autre lab. J'ai rien, améliore les dégâts de... J'ai rien de spécial hein, contre elle. Hein. Ah, elle a une protection de Gower à la limite. Ouais, elle a une protection de Gower. J'ai quoi d'autre? Ouais, j'ai rien d'extraordinaire en anneau comme ça. Vraiment. Ça vole pas très haut. Ralenti d'usure. Améliore la résistance à pétrification. Augmente la foi. Réduction supplémentaire de l'équilibre de l'adversaire. Paul a pas de problème d'équilibre. Améliore attaque quand vous pouvez son bas. En hyper mode. Non, non, je vais pas y aller en hyper mode. T'es dingue toi. Normal, le hyper mode, c'est parti. On est. On va vite se barrer avant que les momies ou les gros monstres me chopent. Allez, si on est vraiment concentré sur la pêcheresse, c'est pas si dur que ça, mais c'est vraiment les pyromanciens, je... Ils me sortent par les yeux, quoi. Comme tout le monde, hein, je pense. Hein. Je pense que comme tout le monde, je galère hein, tous au même temps. C'est pour ça que les gens me disaient « Oh, j'ai plus, tu vas galérer !» Bah, j'ai pas galéré parce que j'ai invoqué Lucatiel, mais... Tu meurs. Oh 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 non 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 non. Ah oh, chier, je vais devoir essayer de me soigner maintenant. Tiens, mange. Tiens. Donc en fait, ouais, il soit dans le sillage de la pêcheresse. Merde, bah oui, mais oh, au bout d'un moment, moi j'ai plus d'ordu. Ah, mais c'est chaud de se les faire avec... Ah, c'est chaud d'attaquer la pêcheresse en même temps d'essayer d'éviter ses coups de feu. Ça, il te met des soleils maudits dans la gueule, quoi. En fait, il faut la tuer vraiment rapidement. Ah, mais non, oh non! Vas-y, je me suis pris une boule de feu là. Essaie de revenir. Putain, mais soleil maudit, allez! Ça, non! Je me suis dit, allez, c'est bon, j'ai récupéré de la vie et tout. Les que dalle. Oh, mais non. Bon. Donc, j'avais dit que je tentais à peu près une bonne demi-heure. On avait dit qu'on avait commencé à 17h17. Si mes souvenirs sont bons, donc là, ça fait une dizaine de minutes. On a encore quelques essais. Putain. Ah, c'est chiant, ces pyromanciens. Je vois pas la technique pour s'en débarrasser, à part, comme j'ai dit, tu déloques la pêcheresse pendant un combo et tu te casses comme un lâche. Et si j'ai essayé de la pyromancie sur la pêcheresse? Non, j'aurais pas le temps. Clairement, j'aurais pas le temps. Je pourrais, mais je pourrais. Genre, pour essayer, si vous voulez, une fois que les pyromanciens sont arrivés, bah moi aussi j'utilise de la pyromancie. Hop. Ouais, grande boule de feu, linceul et tout, ça pourrait marcher. Ouais. On va essayer quelques coups de soleil maudit ou quoi. On va essayer. D'ailleurs, je voulais regarder un item que j'avais vu dans une vidéo de quelqu'un. Je voulais regarder en fait un item. C'était un champignon de je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, restitue un bon nombre de PV progressivement. Ouais, bah c'est une gemme de vie quoi. Non, parce que je voyais les mecs utiliser ça et tout, ils bouffaient ça et bon, bah ça régénérait leur PV tranquillement. Ils prenaient des coups, leur PV continuait de se régénérer. Et ouais, c'est comme une gemme de vie hein. Oh là là. Ce que j'aime pas contre ce boss, c'est un peu... Enfin, c'est
C'est oui, t'as vraiment pas le temps de te mettre de la vie. Tu peux pas te dire, ah, attends, je vais me remettre des PV. Non, tu peux pas, t'as pas le temps. Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour ça. Allez. Allez, viens donc. Tiens! Non, mais je suis sûr, en NG plus 2, avec 100 Champions Covenant, je pense que j'y arriverai bien. Oh, putain. Un gros soleil qui arrive. Je ne vois plus rien, il fait tout noir sur ma télé. Ah! Bon, là, je me remets un peu d'endu, hein. Tu me permets quand même. Voilà. Les pyros vont arriver là d'un instant à l'autre. Voilà, c'était inévitable. Qu'est-ce que je fais? Je tente un peu de pyro contre elle. Elle craint pas le feu. Putain, je crois pas qu'elle craigne le feu jusqu'à un autre. Merci beaucoup. Bonard. Ah, mais moi aussi je sais faire, tiens. Je crois que j'ai à peu près compris la technique, mais... Putain, oh non! Oh putain, elle me fait un brise-garde. Il me faut récupérer de la vie, j'ai besoin de vie. Oh yeah, j'ai réussi. Non, mais je dis pas que c'est impossible de récupérer de la vie. Je dis juste que c'est beaucoup plus dur. Putain, les pires anciens sont séparés. Que j'ai un bouclier de karma. Les pyromanciens sont faisables tant qu'ils ne font pas des soleils maudits tout le temps. En fait. Les linceuls, ça va, hein, ça se contre. Il faut que j'aille près de la lumière, la pécheresse, ça ralentira ses mouvements. Hein. Ça m'apprendra le respect. Oh, oh là 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 là! Ouais, non, mais en fait, là, c'est pas que je veux pas t'attaquer, là, ma petite, mais... Voilà, quoi. Putain, mais c'est... Ah ! Ah, merde. Là, je suis dans la merde, hein, concrètement. Mais non ! Oh ! Non ! Je pensais que c'était terminé, moi ! Oh ! Là, j'étais pas mal, là. Là, j'étais pas mal. Je gérais plutôt bien. Mais là, il y a le soleil qui m'énerve, là. Putain. Ah, bon. Une seconde. Petite ellipse rapide. Je ferme mes volets parce que j'en ai marre. Il y a un coup, il y a du soleil. Un coup, il y en a pas. Moi, ça me fait chier. Je vis dans le noir. A tout de suite. Eh ben, le temps de revenir. Regardez ça. Je suis mort. Voilà, le temps de fermer des volets et tu meurs. Putain, c'est... Il y a vraiment pas de menu pause. Il y a rien. Bon. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas vraiment d'âme. Ah si, je crois que j'avais quelques âmes, je crois que j'avais 40 000 âmes, mais 40 000 âmes c'est que dalle, on s'en fout complètement. Ouais. Donc là, la pécheresse, là maintenant il n'y a plus le soleil pour m'emmerder, non mais je suis très mal orienté là, ma chambre est très mal orientée, j'ai le soleil, l'été j'ai le soleil vers les midi 1h et je l'ai jusqu'au soir au coucher, c'est magnifique. Allez. On va pouvoir donc réessayer un peu la pécheresse, donc là ça fait... Tac, il est quelle heure? 32. Ok, non, parce qu'après je me doute que ça vous fasse chier que j'essaye encore et encore et encore. Surtout si la vidéo fail à la toute fin, que vraiment j'arrive toujours pas. Parce que là c'est du. Vous attendez pas à ce qu'à la fin de la vidéo il y ait un petit bonus. Ouais, j'ai réussi à la battre! Parce que. C'est. Enfin, je veux dire, c'est déjà bien assez gonflant d'essayer comme ça. Bon. Y a pas de miracle, hein. C'est faut réessayer. Ça va faire un petit peu comme le rôdeur sombre. Non, le rôdeur. Ouais, mais justement, c'est ça aussi que j'aimerais bien maintenant commencer à éviter, c'est faire des vidéos de 3 heures et que vous, ça vous fasse qu'une heure. Parce que moi, là, en ce moment, j'essaie de vraiment trouver un taf. Donc, au bout d'un moment, j'aurais vraiment plus le temps quoi, pour s'écrémer. Tiens, ça prend énormément de temps, faut pas croire.
Quand j'essaye un boss comme ça en off, dites-vous que c'est bien 2 bonnes heures ou même plus. Et ça comble le trou d'une vidéo d'une heure. Bon. Oh, mais là après on va avancer dans la forêt ou c'est pas bien grave. On ira dans la forêt sombre. C'est vrai qu'elle a ses mouvements ralentis hein, quand elle est près des flammes. Un peu de la merde. C'est pas pour me déplaire. Bah, seulement pouvait la backstab. Oh là là, mais qu'est-ce que ce serait facile ce boss. Bon, t'arrêtes de tourner autour du pot là. Ah bah oui, évidemment. Voilà, c'est pas drôle. De dégâts. Tiens. Je m'en remets de l'endu, hein, tu me permets. Oh. Là, elle fait son combo. Voilà. Ah putain, je crois qu'il y avait un autre coup. Oh merde, j'ai fait. Ah non, c'est. J'ai fait une roulette vers elle. Je pensais qu'il y avait un dernier coup en fait. Ah, la lumière, regardez, elle aime pas là. Ah ouais. Tiens. Salope. Aïe. Non. Non, remets-toi. Oh, oh la vie. Le 1 PV du ravi. Bon. Le 1 PV du ravi. Combien de temps je vais tenir avec ce 1 PV? Oh, le soleil maudit et tout! Mais vas-y! Non, mais j'ai pas le temps de me soigner, sans déconner. T'as jamais le temps, tu dois tout faire avec une barre de vie. Et en plus, plus j'essaye, plus je perds de la vie. Oh là là. Le pire qui m'arriverait, c'est pour ça que j'ai peur, c'est imaginez, je tue les 2 pyromanciens, ce qui est déjà formidable, et je fais une connerie contre la pécheresse et elle me tue. Ah! Oh non, alors là, non, oh putain. Genre, je me passerai la corde au cou. Allez, salut! Putain. Allez. Hop là. Ah, essayons encore un peu. Putain, mais le 1 PV, quoi, mais c'est incroyable. J'ai une capacité de survie. C'est la puissance du bouillard, les amis, c'est tout, c'est normal. Le 1 PV, c'est tout à fait logique. Oh là là. Là, c'était vraiment le. Tu sais, des fois, je dis 1 PV alors qu'en fait, c'est 3-4 PV ou une dizaine de PV, j'en sais rien. Mais là, je crois que tu pouvais pas faire mieux que ça. Hein. Je veux dire, tu voyais plus ma. Tu voyais plus de barre rouge. Je la voyais plus, là, peut-être. Bon, alors du coup, on va encore essayer un petit peu et après, ouais, on ira à la fin. Faut que je me concentre là sur le combat, mais là je vais essayer de faire plus de gros coups au début comme ça avec R2. De coups puissants avec la clé mort, hein, c'est largement faisable. Hein. Putain! Wow! Oh, comment il aurait pu m'avoir lui? Putain, il m'a fait un saut de mouton là. Hop, allez, moi je suis mauvais pour ça. Voilà. La pécheresse. Putain, mais moi je te fais sortir de la map, je te fais tomber dans l'eau, terminé, on n'en parle plus de la pécheresse. Putain, pourquoi y a pas des boss qu'on peut faire tomber comme ça? Comme dans Dark Souls 1, avec le fameux boss, que j'ai jamais réussi hein, à le faire tomber ce boss là. Le boss à la forteresse de Seine. Merde. Allez, salut Raven. Tiens. Ah, mais non! Bon, je vais boire une potion avant que les pyros arrivent. Non, je. Ah, si. Ah, très gentil. Je peux en reboire une, vu la vie que j'ai là. T'es gentil. Ah, Luc, ouais, gentil de marche, fais n'importe quoi. Mais putain, j'ai appuyé 2 fois pour qu'ils boivent 2 fois d'affilée. C'est la brute. Non, mais un coup. Non mais j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde.
J'ai fait de la grosse merde. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Saleté de pécheresse, putain. Juste à cause de deux pyromanciens. Bon, là, j'ai fait de la merde, donc. Mais j'ai fait de la merde aussi parce que je savais qu'il y avait les deux pyromanciens qui allaient arriver, donc ça sert à rien de... Ah, il y a deux pyromanciens qui arrivent, tiens, j'ai 20% de ma vie, cool. C'est inutile, quoi. En tout cas, cette épée fait pas mal de dégâts, je suis assez fier. Avec ce bouclier là qui est extraordinaire. C'est rare de trouver des boucliers qui partent 100% de dégâts physiques et 100% d'autres choses. Il n'y a pas de bouclier magique qui fait ça. Je crois pas. Mais regardez. Genre le bouclier du chevalier miroir, il fait pas ça. Non, le bouclier du chevalier miroir, il est nul à chier. Celui-là, il part, ouais, physique. Ah non, c'est... Ce bouclier est extraordinaire, hein. Je le mettrais dans mon... Bah, pour moi, c'est le deuxième... C'est limite même le meilleur bouclier du jeu, finalement. Enfin, non. Non, faut quand même pas exagérer, parce que... À mon... J'ai pas regardé les autres stats, mais il doit pas parer grand-chose du reste. Hein. Ouais, 30, ouais, non. Mais facilement, à mon avis, dans mon top 5 ou top 10 des meilleurs boucliers du jeu, hein, facilement. Top 10, facilement. Top 5, je sais pas. On va commencer à faire des tops et des classements. Hein. Putain, mais seulement, Lucatiel pouvait venir m'aider dans ce combat de merde. Je sais plus quoi prendre comme anneau, comme machin, je sais pas. À la limite, un anneau qui protège des flammes, mais bon, je ferai moins de dégâts contre la pécheresse après. Je ne sais pas. Parce que là, finalement, l'anneau de lien, il me sert à rien. Ah si. Ah si, il me sert. Ah ouais, je pensais que... Ah ouais, d'accord. Je pensais pas qu'il me servirait comme ça. Bon, on va se remettre un peu de vie que j'aime. Ça coûte pas cher. J'aurais dû me racheter des gemmes en fait avec les 40 000 âmes. Je suis un peu con. Non, ouais, bah y'a rien de. Bon, c'est bon, on est bon. Allez. Let's go. Coucou. Encore moi. Toujours, hein. Je suis habitué maintenant, je crois. Je me suis laissé dire que tu étais habitué à me voir. Ça fait combien de fois qu'on essaye sans déconner ça? Les zombies te lèvent fort de lui. Mange. Tiens, mange. Pétasse. Ah, c'est quand elle fait son coup comme ça. Là, elle va se barrer, logiquement. Non ? Ah bah non, j'étais pour elle. Merde, on peut tourner comme ça un petit moment. Hein. Tu t'attends les pyromanciens ? Ah bah pas moi. Quand elle... Là, elle va se... Voilà. C'est quand elle fait son coup comme ça qu'elle se casse tout de suite. D'accord. Ok, bah maintenant, regarde. Là, elle va pas se casser. J'aurais pu faire mon méga coup avec R2. Comme ça ! Tiens ! Ah. Oh là 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 là. Oh non 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 non. Ah ouais, non mais là je suis acculé de tous les côtés aussi. Tu viens par là un peu vers les vers la lumière. Ah merde, j'oublie toujours ce coup. Putain, j'oublie toujours cette espèce de... Voilà. Ça, j'aurais beau avoir perdu de la vie à cause d'un connard de pyromancien. Ma vie se porte toujours très bien. Viens, pécheresse! Il reste encore beaucoup de vie. Ah! Oh là là là. Attention! Merde!
putain de pécheresse de merde. On peut se la faire les amis, on peut y arriver, on peut y arriver. Tu t'es pas cassé là, là. Ah la lumière. Oh la lumière. La lumière t'aime pas ça. Tant. Ah là c'était pas un coup gagnant là. Là du coup c'était pas vraiment un coup gagnant. Oh, putain bah là je suis mort. Terminé. Finish. End. Ok, go! Tiens! Oh, t'essaies de m'avoir, pécheresse! Attention, attention! On va essayer de se la faire. Anciens vont pas tarder à arriver. Encore et encore et encore. Allez. Alors qu'est-ce que... Putain. Toi là. Non. Je vais me le faire. Putain mais je... Même deux coups ne suffisent pas pour l'avoir. Oh là là. Bon les amis, petite ellipse rapide, j'ai de la famille qui arrive chez moi. Me dire coucou tout ça. Donc je fais une petite ellipse rapide, encore une. Et puis je vous retrouve dans... je vous retrouve tout de suite. Hein. Je vous retrouve tout de suite dans quelques minutes. Allez, à tout de suite tout le monde. Ellipse. Et nous voici de retour. Hop, je vérifie que tout va bien. Ok. Donc nous voici de retour. Putain. Une heure après, il est des... je déconne pas, il est 18h46. Voilà. Vous l'avez vu rapidement. Donc, il nous reste une demi-heure de vidéo à peu près. Donc ce qu'on va faire, on va aller, comme j'avais dit, voir Bénart, tout ça, libérer la grognasse de son sort maléfique de pétrification. Du coup, par contre, j'hésite à reprendre la clé mort de feu. Là. Les ennemis, je sais pas ce qu'ils craignent principalement. Bon, on verra bien. Salut, Bénart! Tac. Je crois qu'on va lui reparler jusqu'à ce que... Hey. Ouais, t'inquiète, attends, je vais la libérer, ce n'est l'affaire de quelques secondes. Tintintintintintin. Hop là, voilà. Oh mon dieu, je suis libre après des millions d'années. Putain, j'avoue que tes vêtements sont en sale état. Prisme, merci, super. Tiens, un petit caillou. Pour moi, les prismes, c'est ça, hein, c'est des petits cailloux. Enfin, dans Dark Souls 1, c'était des petits cailloux, hein, finalement. Hein. C'était des prismes, mais c'était des conneries. Ouais, allez, dégage. Ouais. Bon, j'ai pas de vêtements à te donner. Moi, je me casse. Ah merde, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié. Ah. Oh. Ok, alors l'endurance. Oh putain, mais là je suis empoisonné, donc dans... Ah oh, bah je vais mourir. Ok. Saloperie. Saloperie là, putain, avec vos monotesticules là, putain. Crash, je te jure. Bon. On va y retourner. Donc attendez, j'avais dit 18h46 à peu près. Ok, non mais comme ça je sais à peu près où est-ce qu'on en est. Donc ouais.
Vers 7h20, on va devoir s'arrêter là. 19h20, on va devoir s'arrêter. Pour que ça fasse bien pile une heure. J'aurais bien aimé retenter la pécheresse, mais là, vu que ça fait... Putain, en une heure, j'ai tout perdu mon momentum. Putain, mais le bouclier de Guirme, quoi. Ce bouclier de dingue. Je le garde, là, je sais pas. J'ai envie de le garder, alors que les ennemis, ils taperont pas au feu, en fait. C'est un peu débile, en fait. Bouclier du défenseur... Ouais, et du coup, j'ai envie de prendre la clé mort de feu contre ces ennemis, je sais pas. Pour moi, ils craignent le feu, en fait, c'est con, mais... Voilà, pour moi, ils craignent le feu. Hop, on va reprendre. Ah, la pécheresse, on arrivera bien à la battre un jour, bordel. Ah, vous connaissez que ma dé... Vous... Enfin, vous quand même avouez que ma détermination est quand même sans faille, hein. Rappelez-vous que j'ai fait 4h30 d'affilée de dragon ancien. Enfin si, j'avais fait une pause, si, en plein milieu. J'avais fait une pause repas. Attends, ça creuse quand même de faire des boss comme ça. Merde, bouclier magique. Ouais bon merde, ça me fait chier. Allez, c'est bon. Donc clé mort de feu là. Clé mort de feu, clé mort électrique, ça change que dalle, c'est super, j'augmente ma foi pour rien depuis tout à l'heure. Je ne sais pas à quoi ça sert que j'augmente ma foi en fait. Là je sais pas, je commence à me poser des questions en fait. Je pensais que c'était ça qu'il fallait augmenter pour améliorer les dégâts, mais... Ça continue, je pourrais utiliser des miracles, tu sais. Ah! Oh non, pitié, pas les miracles, quoi. Ah, tant qu'on lui a pas trouvé des vêtements, elle reste là. Ah, d'accord. Bonjour. Ok, bon, bah, Bénart, maintenant, il va pouvoir se casser d'ici. On récupère ça. 225 âmes. Là, vous avez peut-être remarqué que ma barre de vie est au plus bas. C'est normal, en fait, j'ai complètement laissé mon personnage sans merci contre les mobs de... Alors. Voilà, donc contre les mobs de la forteresse oubliée. Ah mais j'en ai marre! J'en ai marre de faire absolument aucun dégât. D'accord! Mais putain! Oh là là! Je suis plus dedans là, je suis plus dedans là, j'ai... Une heure de pause alors que j'étais à fond dedans et voilà. Tout perdu. Bon. On va essayer de s'y remettre là, putain mais oh. Vous avez... Alors vous avez vu, en une heure, j'ai perdu tout mon truc. Je suis bon à rien. Imaginez en... En une journée, bah vous avez pu voir au tout début contre la pécheresse, c'était assez... Enfin non, c'était pas contre la pécheresse, c'était à la forteresse de fer. Vous avez pu voir que c'était assez mauvais, hein. C'était assez mauvais. Bon allez, on arrête de faire des conneries. Je vais y aller à coup de tempête du chaos. Ça va être vite vu, hein, cette histoire. Moi, ça va pas commencer à me saouler. Allez, on y retourne. Voilà. Enfin, comme on dit, jamais 203, hein. C'est pour donner du courage, ça, hein. C'est... Uniquement dans ce but. Alors. Bénart est bien parti. Elle restera là tant que je lui donnerai pas des fringues, mais j'en ai un peu marre de t'en donner. Avec ma. J'allais dire avec ma main enflammée. Messieurs, bonjour! Encore un petit coup pour être sûr! Non, mais parce que là, faut arrêter de me gonfler. Hein, mais bon. La tempête du chaos. Et n'oublions pas que je veux les grandes boules de feu du chaos. Hein, qui sont, à mon avis, extrêmement puissantes. On va allumer ce feu là. Est-ce qu'on s'y repose? Non, useless. Ouais. Ah, on est reparti. Y a rien de spécial à prendre ici, donc on va se casser. Et c'est dans cet endroit qu'il y a... Ah non, mais c'est après. Chevalier de Head là, le... Ouais, le chevalier de Head, c'est ça, c'est pas le chevalier noir, je vais venir sans Dark Souls. Ah
frappe-moi si tu veux. Tu m'as presque pas enlevé de vie, mais par contre tes dégâts de poison. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Bon, encore un bug dû au son, hein. C'est pas la capture audio, vidéo, c'est le son. Mais je pense qu'il faut que je branche le casque sur la carte mère directement, il y aura moins de bugs. Ce sera peut-être mieux. Je sais pas, moi j'y connais rien. Hein. Je sais pas, je branche mon casque sur un port USB et puis voilà. Imagine quand même, un caillou peut me tuer. Putain, on n'est pas dans... Je sais plus quel jeu c'était ça qui avait présenté ce genre de jeu. Je l'ai plus en tête. Bon, on était effectivement aussi un chevalier. Voilà. Ramasser, tout ça pour des flèches. Pierre de saut de Pharos, putain, rien que ça. Merci. Donc. Oh là. Un peu marre de... Voilà, non mais l'autre qui me balance des cailloux de loin, là, je... C'est bon, hein. je sature un peu. Meurs. Je récupère un petit peu de vie grâce à cette sublime fiole d'Istus. Voilà. Aïe. On mord, toi. J'ai pas compris pourquoi, mais pour... Ces ennemis, mais j'ai pas compris quoi. Tu sais, les types ils se sont dit, les gars, j'ai une idée. Un monstre qui empoisonne. On lui donne cette apparence là et on lui met une énorme couille. Putain. Allez. On arrive ici. On va même s'y reposer. On va pas se téléporter, juste se reposer. On va pas commencer. Alors. En tout cas, il y aura eu des bugs aujourd'hui. Hein. Enfin, surtout des bugs de son. Hein. C'est surtout ça. Mais des fois ça me le fait, des fois ça me le fait pas. Bon, là ça me le fait beaucoup, c'est très chiant. Alors du coup, où est-ce qu'on doit aller donc? Là-bas, c'est le truc du roi. Là-bas, c'est le truc qui sert à rien. Enfin, pour l'instant. Donc, là-bas, putain, c'est cette magnifique forêt. Tango! Alors si je me rappelle bien, il faut rester sur la gauche. Et on n'aura absolument aucun problème. Voilà. Hop. Eh ben. Parfait tout ça. Et on n'aura même pas croisé un seul mob méchant, tu vois. Et le feu de camp est juste là. Bon bah finalement on avance plus vite que prévu. Et là il n'y a pas le mob qui vient m'assaillir tout de suite parce que... En plus c'est chiant, il vient tout le temps te faire chier quoi. Dès que tu bouges le petit doigt, il fonce là et il t'emmerde. C'est juste horrible quoi. En plus ça enlève 3 tonnes de vie. Oh putain, alors là ils doivent être ultra meurtriers. Bah du coup on n'a pas besoin de se faire chier en fait. Je me rends compte là. On a pas vraiment besoin de se faire... Oh putain, il y a le géant là. Et on n'a pas besoin de s'emmerder la vie. Regarde ça. Tu les skips super vite. Ouais, très facilement, très vite, aucun problème. Et voilà, et s'ils veulent continuer de me suivre, qu'ils viennent jusque là-bas. Ah mais remarque, ah oui mais non, il n'y aura pas la marque de l'autre, du scorpion, puisqu'on est sous le serment des champions, adorable. Alors là, il me le faut, là, le bouclier magique, hein. Il n'y a pas à chier. Il va m'être extrêmement utile contre cette salope qui utilise de la magie. Je prends l'espadon draconique aussi. Pas forcément besoin de parer énormément. Voilà. Ah bah on est bon, on va pouvoir y aller. C'est parti. Mmh.
Putain de merde. Tiens! C'est tout? T'as 3 tonnes de life! Pétasse! Bon. Ah, ça lui fait rien! What the fuck? Merde, 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 merde. Elle va me refaire une attaque. Oh non! Bouclier magique! Tout de suite! Ah! Elle va me bloquer! Ok, viens. Non, attaque avec ta queue là, avec tes deux queues là. Allez, attaque avec tes deux queues, pétasse. Allez! Putain, avec une hallebarde, elle doit être trop simple. Elle. Je suppose que si tu touches la partie humaine, c'est comme qu'il lag, hein. Elle doit avoir un... Elle doit être stun. Oh, c'est relou, ça. Ah. Voilà. Attention. Viens par là. Oh la putain. Putain, mais ça te tape... Ça s'accasse jamais. Oh bah mince. Je crois que ça a cassé. Maintenant t'es un vrai scorpion. Avec une queue. Parce que tu ne triches pas. Du moins pas avec moi. J'ai pas regardé où est-ce qu'elle était. Oh, et si tu m'attaquais avec ta grosse queue? Ça me fait bizarre de dire ça à une femme. Allez, attaque. Ah, mais non! La vie! Mais comment elle a fait pour me... J'ai pas dû avoir le bouclier levé. Je me rends même pas compte de ce que je fais. Ah! D'accord! Ne jamais être derrière un putain de scorpion quand il a au moins une queue. Putain! Pourquoi je... Ah, t'as une occasion de taper quand elle fait ça. Avec ta queue, connasse! Avec ta queue! J'en ai marre de dire queue, alors s'il te plaît! Oh. Enfin, j'enlève la pyromancie. Ça, je switcherai plus facilement. Ça me posera moins de problèmes. Bonjour. Ça va? On se fait un truc Voilà, moi je me casse, hein, t'es gentil. Non mais honnêtement, moi sur ce boss qui me fait le plus chier, c'est vraiment ces flèches Cherchame, Demon Souls Like. Oh bah mince alors, t'as plus de queue. Ah. Bon bah vas-y, essaie de me taper de derrière. Oh là là, comme ça a l'air meurtrier. Bon. Bon du coup maintenant je peux te frapper comme ça. C'est vrai que du coup ça va être même plus... Ouais, oh, bah je sais pas. Voilà. Je préfère taper que un coup pour être sûr. Voilà, pour éviter en fait ces crochets là. Ils sont très, très chiants. Et là du coup je pourrais me mettre loin et... Ouais non, derrière toi plutôt et te faire de la pyromancie. Je pourrais, mais je me fais pas. Parce que je suis stupide. Putain, elle tourne plus vite. Ah, oh, mais là, ces crochets devant, ils vont me faire chier. C'est juste horrible. Là, tu peux te la faire à distance, là.
Comment je ferai? Comment je vais faire? Il lui reste pas beaucoup de vie. C'est largement jouable ce boss. Hein. C'est moi qui fais n'importe quoi. Hein. Là, je le dis encore une fois. Hein. C'est encore un boss où je fais n'importe quoi. Mais bon, ça marche. Alors bon. J'aimerais bien qu'elle pète. Ah oui, non, mais là-bas, c'était une assiette de fou. Bam! Alors, ça, c'est pour t'apprendre un peu le respect. Oh non. Alors, je crois que plutôt c'est toi qui vas me l'apprendre, là, le respect, dans 2 secondes. Vite, rapproche. Ah bah, c'est elle qui vient, carrément. À domicile. Tiens! Ah, t'aimes pas que je te tape dans le dos? Oh là, oh là, oh là. Attends! Glou glou. Largement le temps de mettre un. Ouais, par contre, faut vraiment faire gaffe à la jauge tendue. Ok. Putain! Tu me fais chier! C'est long le combat pour rien là! Ah! Bon, au moins, quand elle réapparaîtra, je pourrais sûrement la frapper. Zone sûre. Ah ouais, non, mais j'avoue que c'est. Mais. C'est con, on le comprend tout de suite. Je sais pas, ça. On devrait faire une action qui permet de débloquer ce truc. Un peu comme cet arbre là-bas. Voilà. Oh. Oh putain. J'en ai marre de ce combat. Franchement, j'en ai marre. Oh non, pitié. C'est pas la première salve. Oh bien. Oh là là. Est-ce que tu l'aimes l'esquive à la Raven? Est-ce que tu la kiffes? Bien. Pas beaucoup d'endurance. Oh non, 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 tu ne prends pas de distance. Ah, mais avec une hallebarde, ça va être trop, trop simple. Mais je sais pas si ça. Enfin, si ça fait comme Killag. Hein. Killag avec une hallebarde, vous la fistez, quoi, complètement. Hein. Parce qu'en fait, il y a toujours une animation de stun qui s'enclenche à chaque fois que vous touchez la partie humaine. Ah, mon dieu, je vais mourir! Je mets 10 ans pour la battre. C'est génial. Fantastique. Bon bah vous verrez les portes de Pharos dans une autre vidéo sûrement. En plus je peux mourir, c'est ça le pire. Je fais une erreur d'inattention et je meurs. Mais c'est chiant. Oh non. Encore une esquive à la ravie. Oh. Ça blesse. Là tu. Ah! Oh sale pute. Pas me soigner. Il faudrait qu'elle fasse son coup là où ça. Pas ce coup là. Moi l'autre coup. Elle sait pas trop quoi faire là. Je sais bien que c'est l'ultimate challenge et tout, mais bon. Ah. Voilà. Non mais c'est que la seule occasion que j'ai réelle de la taper quoi. Je sais pas comment je faisais avant. Je regarde. Ah, elle est pas forte hein. Franchement elle est pas forte. Je pensais que en fait c'est à distance aussi, elle vous tire des rayons magiques. De la mouerté. Oh! Alors, pétasse, qu'est-ce qu'il te reste? Plus rien. Oh, oh non! Taille! Oh oui! Taste the booyah! Putain, je fallais avaler de travers. Ah, Mnashka la Scorpie, d'un rituel du sud. Oh, hyper serré à la fin. Waouh. Quelle fin de combat. Putain, et vous avez vu, j'étais en mode... Oh là là. Super, sublime la fin. Ouh. Bon, et ben, Mnashka aura Taste the Booyah en Ultimate Challenge. Bon, c'est pas vraiment un boss que je considérais comme étant difficile. Par contre, la grosse araignée, ouais.
La grosse araignée, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Comme le charogne, comme... On va se mettre... On va s'allumer le feu de camp là-bas. Non, va-t'en. Va-t'en, je n'ai pas envie de t'affronter. Voilà. Clac. Feu allumé. On s'y repose, histoire de bien se remettre de nos émotions. Et on regarde l'heure. Et putain, voilà, il me reste genre une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Bah non, mais là, je suis resté bloqué là. Bon, on va continuer encore un peu. Oh mon dieu, c'est germe! Voilà. Si tu as un bouclier de feu, c'est que tu dois craindre le feu! J'en conclus cela. Hein. Éclat de tétanite, merci. Tiens. Voilà. Remets-toi debout! Viens m'affronter! Inutile. En fait, je sais déjà plus où est-ce qu'il faut passer. Amulette draconique. Bah si, il faut juste continuer là-bas, je suis con. Voilà. On va essayer d'aller voir Freya. Et ah, c'est vrai que je lui ai jamais parlé, je crois. Faut aller voir Freya et essayer de l'affaiblir un maximum. Mais encore une fois, je ne sais pas. Est-ce que si on l'affaiblit maintenant, est-ce qu'elle sera affaiblie pour toujours? C'est rentable hein, de se dire allez je crève pour la France et voilà. T'avais pas un pote toi? J'ai cru que t'avais un complice. Oula oula, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait lui? Et il a essayé de me faire une shot. Gant de guerrier Guirme. Putain, je crois que c'était. Je crois que c'était bouclier. Oh vas-y. Il va se suicider. Il va se suicider. Non, reptilien. Ce reptile. On t'aime pas hein, mes attaques hein, avec la clé mort. Hein. On t'aime pas du tout. Tiens, mange. Tu me drops un truc, putain, il me drops tous quelque chose. Pierre magique, home. Eh, mais il y a le rat ici. Ah, on pourrait se faire le gros rat. Ah ouais, bonne idée. On va faire ça. Tu vois. Ah mais ouais, bah, si. Ouais. C'est un rôle boss. Hein. Ouais, j'ai pas envie de me le faire en fait, ce rat. Il est putain de fort. Ouais, j'ai plutôt envie d'avancer, moi. Pas envie d'aller. Carrière de 10 pierres de 7 dollars. De 7 dollars. Mon feu de camp. Impossible d'utiliser le feu. Merci, j'avais remarqué, Captain Obvious. Toi! Un endroit sûr, un endroit où fuir. Putain. Ah, il faut que je me casse là. Voilà. Le temps qu'ils comprennent qu'il faut prendre la, voilà, la petite montée. J'ai un peu de temps d'utiliser quelques gemmes. Ah. Hop. Moi je me casse. Mais non, c'est là d'où je viens. Putain, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Freya! C'est Freya, mon amour! Je hais les araignées, vous le savez. Ah, c'est dommage, ça aurait pu toucher un facochère. Enfin bon, ils me suivent pas, donc à la limite, on s'en fout. Il a plus de vie. Ok, bah écoute, moi ça me va. Voilà, allez, au revoir. C'est pour ça que j'adore cette attaque avec R2. C'est super pratique. En PVP, mais ça fait un. C'est génial. Là, je vois, il y a un truc. Ah merde, je vous avais oublié, vous. J'aurais mieux fait de vous oublier. Ah oh, oh les dégâts. Monte. Ah mais ils font pas du bien.
Alors. Ah. Oh bah tombez si vous voulez. Hein. Tiens. C'est pas facile. Arrêtez, vous moquez pas, c'est pas fait, c'est pas évident. Et un de moins. Allez. Tout ça parce qu'il a trop bougé. Putain, mais c'est purement dégueulasse. Voilà. Il en reste plus qu'un. Voilà. Voilà, on peut dire que je t'ai vraiment arraché. Bon. Mais ils font super mal. Bon. Du coup, Freya va apparaître ici. Pyromancie. Pyromancie. Flamme noire de pyromancie, ça fera plus de dégâts puisque là, je suis une carcasse ultra avancée de malade. Ouais. On va le kiffer. Pétasse, tu vas kiffer. Ça lui fait rien. Tu dois essayer le corps à corps. Putain, mais y'a tes potes là! Dégage. Oh oui! Oh Freya, d'un coup, je t'aime bien! Oh mais! N'importe quoi! Fais chier. Bon bah, je l'ai un tout petit peu entaché! Super! Et évidemment, elle ne réapparaîtra jamais. Ah, fais chier. Mais c'est. Mais t'as les. T'as ses potes qui arrivent! C'est dégueulasse, putain! J'aurais dû faire une tempête de feu du chaos dans sa gueule, ça lui aurait calmé le clapet! Ou plutôt les mâchoires, les crocs, les ce que tu veux. Bon. J'ai quand même envie de courir juste pour voir si... Ah putain. Juste pour voir si elle est de retour ou pas en fait. On se repose. Messieurs, bonjour. Au revoir. Elle réapparaît. Elle réapparaît. Putain. Hey, connasse. Putain. Mais elle réapparaît. Je dois l'affaiblir. Allez les amis, pour cette toute fin de vidéo, parce que là ça fait tout pile, enfin tout pile, à peu près une heure. Donc allez, on va garder quelques minutes. On va essayer de faire ça très bien, très propre. Problème c'est que le feu ça lui fait pas grand chose en fait, donc je sais pas trop. Je vais y aller avec l'espadon draconique à grand coup de R2, c'est à dire gros coup puissant. Ça devrait la calmer, ça devrait être plutôt pas mal. Par contre c'est les, ouais, les ennemis qui sont juste à côté là qui vont m'emmerder. On va garder ça donc. En tout cas il faut, je préfère crever 40 fois contre elle plutôt que de la laisser s'échapper avec toute sa vie comme la dernière fois. Alors là non, jamais. Never again. Never before, never again. Yeah. Mais si je la tue là. Oh putain, on pourrait presque la tuer. Oh non, la tuer là, ce serait bien. Oui, je pouvais utiliser les rochers pour tuer les 4 mecs, les 4 pélos là. Ouais, j'aurais pu, ouais. Ta-ta-ta-ta-ta, enlève le lock. Voilà. De toute façon, au pire, ouais, même s'ils se remettent par là-bas. Bon. Position de tir. Tiens, ouh. Tiens, dans la jambe. Ouais, c'est ça, remettez-vous là-bas que je rigole. Allez, remettez-vous en position, les filles. Ouf. Tiens!
Merde. Ah. Oh. Je les touche tous. Ça, c'est génial. Voilà. Bim. Tac. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ça prend un peu de temps, hein. Surtout, c'est pour crever dans 3 secondes contre Freya. En fait, le tout, c'est de la laisser se barrer, mais en lui enlevant plein de vie. C'est ça qui va pas être évident. Parce qu'elle a l'air d'enlever... Enfin, c'est surtout... Tu peux pas tourner autour d'elle, tu vois juste un bout de sa tête et... Putain, mais tu vas arrêter de rester en vie. Tu meurs. Ça, y a plus de lumière. Tu meurs. Bah toi, je peux te farcir tout seul. Je suis un peu con d'avoir sauté, j'avoue. Voilà. Donc du coup, je fais comment contre elle? Soleil maudit. Putain. J'arrive pas à trouver comment la voir, hein. Ça me fait chier. Je trouve pas comment la voir. Bon, je réessaye une dernière fois avec vous, puis au pire, je réessaierai en off. Je comprends pas, je touche et ça fait rien. C'est peut-être ses pattes, hein, qu'il faut taper. Ah ouais, ses pattes. Pourquoi je taperais pas ses pattes? On va essayer. Au pire, là, je cours, hein, on essaye en freestyle. On va essayer en freestyle. Allez, c'est parti. Putain, essaye. Non, remarque, non, freestyle. Freestyle, j'aime pas. Freestyle, ça va... Non, ça pue du bec. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est les choses bien. On va attirer... Ah, bah voilà. Ils sont tous par là. Excusez-moi, j'essaie de me retrouver la bonne épée. Eh oh, non mais dis donc. Pas bien ça. Ah, ils sont tous là. Mais à la limite, pendant qu'ils sont là, moi je peux me casser, voir Freya en fait. Ah non, ils commencent à s'en aller. Bam. Regarde-moi ça un peu. Ah, t'es énervé? Voilà, terminé pour toi. Et pour aucun de tes potes. Putain, je suis vraiment mauvais. À ce jeu-là, je suis ultra mauvais. Putain. En plus, j'ai le son décalé dans mon casque avec ce petit bug de son qu'il y a eu. Parce qu'il y a dû avoir aussi un bug avec le PVR. C'est vrai que ça m'aide pas du tout, hein. Je regarde pas. Hop, moi je me repère au son par rapport à si j'ai ma flèche chargée ou pas. Allez, putain. Ceux qui ont les torches sont presque morts. Ça tombe bien, c'est les moins menaçants de tous. Voilà. Bam, dans le bras. Ouais, mais c'était pas le bon bras. Allez. Voilà. Bam.
Oh putain, lui, on lui a rien enlevé. Bon, un de moins. Deux de moins. Trois de moins. Et cette fois, je ne tombe pas. Ouais, mais de toute façon, il faudra quand même que je prenne une gemme de vie. Ouais. Avec ce qui me reste. Voilà, tout seul, il est totalement inoffensif. Enfin, pas vraiment mal à qui que ce soit. Et flan ! Ramassé, éclat titanite. Ouais. Une animation trop chelou. Ah, voilà. Ah, 390. Là, je... Putain, je préfère. Mais ça lui enlève rien. Putain. Putain. Ah, j'ai survécu. Pas mal. Freya! Oh! Bon bah voilà, je leur ai enlevé un tout petit peu de vie. Un petit peu, hein, mais bon. En tout cas, mon combat contre elle va être assez chiant. Je le sens venir. On va pas s'arrêter en si bon chemin, vous savez quoi. Oh putain! Oh le quoi, j'ai horreur quand il me touche de cette manière. Voilà! Ça, c'est ce que j'appelle un vrai combat. Tenue de paysan, torche. Papillon ardent, putain, un paysan quoi. Raven se reconvertit en paysan. T'sais. Après avoir fini le Champions Covenant, l'Ultimate Challenge, Raven s'en alla. Alimenter ses terres. Je sais qu'il y a des araignées par ici. Je me casse. Elles viennent pas. Voilà. Comme ça, elles m'emmerdent pas. Putain, je me rappelle jamais de ce passage. Je crois qu'il y a un fragment de fiole déçu ici. Si je dis pas de bêtises. Peut-être une araignée aussi. Putain, aussi un black fantôme de merde. Donc on va peut-être pas y aller en fait. Ah, c'est même pas de te soigner. Non, mais jamais. Mais vas-y, je me suis protégé. Putain, et maintenant que je suis dedans, j'ai pas envie d'arrêter là. Bon, on essaie de se faire ce boss, on arrête la vidéo. Putain, il est pas dur ce boss, il est pas dur, bordel. Mais c'est ces connards de mages là qui me font chier. Même lui avec ses ténèbres, le gros squelette là. Oh là, au save total. Mais vu qu'ils font 50% de dégâts en plus, tu m'étonnes qu'ils font mal. Oh là là. Allez, c'est bien parce que j'ai un peu de temps. Enfin, pas énormément du coup, vu que je vais passer une heure à rien foutre. Allez hop. Et donc là, normalement, Freya ne devrait pas réapparaître, putain. En tout cas, j'espère que j'aurai bien... Enfin, j'ai essayé d'entamer sa barre de vie, pas énormément, mais voilà. Je crois... ouais, un quart du tiers, un truc comme ça, j'ai dû faire. J'en ai enlevé un petit peu, je crois que j'ai tapé genre 3 fois, voilà, bon bah c'est... Franchement c'est mieux que rien, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. De toute façon j'aurais pas fait mieux, hein, enfin, faut pas croire. J'essaie de mettre des coups d'épée, voilà. Cette fois on va y aller avec une arme un peu plus sympathique.
avec un bouclier magique aussi. C'est pas tellement de la magie, hein, c'est plus ouais, l'électrique. Hein. Pff, oh, regardez ça, tant pis. Putain! Foiré. Mage rôdeur de merde. Ok, alors le mage! Ouh, le mage il est bien stun là parce que je suis une merde. Je voulais même pas l'attaquer en premier, mais je me suis dit, bon, bah allez, tant qu'à faire. Toi, le mage, là. Ah, je peux pas le backstab. Ah, bah ça va beaucoup mieux quand on a une arme qui fait 3 tonnes de dégâts, hein. Ah, t'es dans la merde, là. Même lui, là, il se chie dessus, allez-y. Oh non. Non, pitié. Pitié, attendez. Ah! Non! Oh fuck! Bon bah maintenant il me reste plus que le menu fretin. Enfin, faut quand même faire gaffe, il peut faire. 50% de dégâts en plus. Aïe! Oh là là, les dégâts! Ah ouais, carrément, ouais! Bon, il reste plus que vous deux. Deux feux, ça va être vite fait! Il reste encore un peu de vie, hein! Victoire! Ah putain, Taste the Booyah! Tablette de titanite, ouais, une espèce d'église, on sait pas trop bien ce que c'est, mais... Je te dis, elle me fait tellement... Ça me fait tellement penser au... Mais en plus, je suis sûr, c'est elle. Le boss de la tour de la triade de Demon's Souls. Quasi sûr, c'est elle. Franchement... Et pourtant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça, à part un clin d'œil, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, hein. Mais bon. Alors ici on a notre poteau Cromwell. Bon, y a plein d'objets, c'est pour ça que je voulais y aller en fait, check, il y avait plein d'objets. Voilà. Et si on a je crois 30 en fois, hein, c'est ça, il nous file un item. Voilà. Oh, ok. Yes. I... Bon, rien à foutre de ce que tu dis en fait. Demandez grâce. Vous n'avez pas péché, je sais. Rien d'intéressant, rien d'intéressant. Donc ouais, il va me donner une sympathique bague plus tard. Ok, donc tu ne me donnes rien, très bien. J'attendrai que vous vous décidiez. Ouais. Ah alors le feu de camp qui est là-bas, on va l'allumer, puis on va s'arrêter là. Hein. On est allé un peu plus loin que ce que j'aurais cru. Feu allumé. On n'aura pas tenté le gros rat parce que j'aime pas ce boss. Oh, je l'aime pas. Allez. Bah non, attendez, on va se voyager à Majula du coup. On va racheter des trucs avec ces 95 000 là. On va pas monter. On va pas attendre de monter d'un niveau au risque de tout perdre. On va acheter des trucs. Et puis voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette énième vidéo de Dark Souls 2 le playthrough. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est au niveau des numérotations là. Ça va être la partie... Franchement, si je déconne pas, c'est la partie 60, là. Je crois. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais même pas. J'enregistre et puis voilà. C'est pas... Mon but est pas de faire le plus long playthrough du monde. Hein. Mon but est de finir ce jeu en Ultimate Challenge. Voilà. Champions Covenant. C'est ça, mon but. Le reste, safe total. Que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai besoin? De gemmes. J'allais racheter des flèches, mais je vais en racheter quand même. Des flèches. Histoire d'être... Encore vous là, j'aime. Voilà, parfait, merci. Toi, tu me vends quoi, toi déjà? Tu me vends rien, toi. Well. Non, tu vends que dalle. Des trucs que j'ai déjà. Voilà, c'est vous qui voyez. Ah, t'inquiète. Acheter ici des flèches, toi. Plein de flèches, voilà. Ça coûte que dalle.
J'ai encore plein de sous, j'ai consommé que 20 000 âmes. Bon. Bah tant pis. Tant pis, pour le reste, j'ai pas... J'ai rien d'autre de spécial à faire. Allez, bah écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié cette énième vidéo de Dark Souls 2 Playthrough. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Savoir un petit peu ce que vous pensez de ma progression dans ce jeu. Et savoir, parce qu'il y en a, ils, oh, franchement, il y en a, ils sont, vous êtes vraiment chou. Je peux dire qu'autre chose, je peux pas dire autre chose. C'est Raven numéro 1 sur Dark Souls ou quoi. Les commentaires, mais laisse tomber quoi. Oh là, ça c'est totalement faux parce que je suis vraiment une quiche à ce jeu. Hein. Rien que quand vous me voyez jouer contre les boss, c'est même pas du skill que je montre. Je la joue tellement safe que j'y arrive. Donc je la joue totalement safe tout le long. Ça dure les temps de combat s'allongent et ça passe. Voilà. Donc allez, j'espère vous retrouver donc dès demain pour une nouvelle vidéo de Dark Souls The Playthrough. Je sais pas si j'enregistrerai demain, parce que là on est quoi, on est le 15. Demain le 16, je sais pas. Je sais pas si j'enregistrerai peut-être une vidéo d'une petite heure. Ouais, mais après je prends un peu trop d'avance, mais bon. En même temps, je suis obligé maintenant qu'il y a un Playthrough comme ça. Voilà. Peut-être demain j'enregistrerai ou pas. À voir. Allez, je vous dis à très tout le monde à la prochaine. Salut. And don't forget to taste the boo. Yeah.